confinement, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, ce que je fais, en fait, pour en discuter, ma femme pense que je suis complètement barjot. Elle dit même que je lui fais peur, que c'est quand je parle tout seul. Moi, perso, j'adore ça. C'est un mec, il est super sympa, très, très disponible, trop cool. En plus, je sens tout le feeling que j'ai avec ce mec-là. C'est comme si c'était un peu mon mec à moi. Alors en confinement, bah, tu te reposes. T'as le temps. Tu prends le temps. Ça, c'est sûr, t'as le temps. Oui, je suis sûr. Y a pas de réveil, pas de travail. Qu'est-ce que tu te plains? Ça, c'est nickel. Ouais, c'est nickel. Ouais. Tu prends le temps de bricoler un petit peu chez toi. Refaire gros les choses. T'as refait toi, c'est pas mal. Tu prends combien? Tu réfléchis sur le monde. Sera-t-il meilleur après? Arrête un peu, l'homme c'est un salopard, tu le sais très bien. Non mais t'as pas tort, t'as même sûrement raison. La nature reprend ses droits. Les papillons, les oiseaux, on voit plein de choses qu'on ne voyait pas avant. La pollution dans les villes, maintenant c'est nickel. T'as raison, c'est magnifique. Qu'elle en profite de la nature, parce que l'humain après il va la défoncer. Je t'annonce tout de suite. Il est bon. Tu ne conduis pas beaucoup, aussi. Tu sais plus conduire à force, t'as oublié. T'as perdu tous tes réflexes. En plus, t'auras sûrement plus de batterie. C'est pas faux, c'est pas faux. Le tarif des carburants, c'est hallucinant. Il n'a jamais été aussi bas depuis, je pense, 20 ans. Les États-Unis payaient les clients pour qu'ils prennent leur baril. Et puis, tu profites du beau temps. On a de la chance, on a un super temps. Ça se voit pas, regarde ta gueule de cul. Ta femme est là, avec toi. C'est une bonne nouvelle, ça. Plein de personnes me demandent qu'est-ce que tu fais. Bah, des fois, je leur dis, je ne fais rien. Et tu t'ennuies pas? Non. Un ami à toi, Eric, t'as toujours dit, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Écoutez cette douce voix. Rien faire. Oh, c'est trop beau. Ce qui est super en ce moment. On adore ça avec ma femme, c'est bien manger. Ah, vous êtes des gourmands. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des barbecues, on profite du beau temps, on cuisine ensemble. Cuisiner avec Olignac? On adore ça. Et puis, tu dépenses beaucoup moins. Ça, c'est clair. Tu dépenses moins, par contre, tu consommes beaucoup plus. Hein. Bon, le gros problème dans tout ça, c'est que tu grossis. Alors, je vais pas dire gravement, mais grassement. Oh mon salaud, comme t'as pris! Oh là là, on dirait un beignet! Et puis, tu bois l'apéro. Tranquille. Et j'espère que t'as ce qu'il faut dans le bar, sinon t'es dans la merde. Alors, bah t'en profites pour faire du sport. Arrête de te foutre de la gueule du monde. Tu fais la sieste, oui? L'inconvénient, quand même, c'est que tes amis te manquent. Tes collègues de boulot. Vous allez tous mourir dans le barbecue ce soir, Bémo. Imagine être en confinement avec lui, là. Ouïo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 uï